Et nous sommes aujourd'hui à l'IAO Sainte-Anne. L'IAO fait partie des grands fonds. Le jardin créole, c'est un jardin qui permet, je dirais, à l'agriculteur des grands fonds, qui permet aux habitants de grands fonds d'avoir à proximité un certain nombre de produits alimentaires pour les besoins quotidiens. Donc ici, là, nous avons un bananier qui est juste derrière. Non loin de nous, jusque derrière, nous avons des ignames, nous avons des malangas, nous avons de la canne à sucre, nous avons des pois d'angole. En gros, ce sont des produits qui sont bio. C'est un pied de pois d'angole qui va fournir des gousses. Ces gousses seront comestibles, bien évidemment, et elles seront utilisées au niveau en cuisine. Et également, avec les feuilles de pois d'angole, on peut également faire des lotions pour les cheveux. Alors, ça permet de stimuler la pousse des cheveux. Cette plante vient d'Afrique, elle est arrivée en même temps que les esclaves. Ce sont des ignames. Il y en a plusieurs variétés. Moi, j'ai un gratin, il est mangé en purée. Et nous faisons de tout avec. Hein. Il est accommodé avec des soupes. Et bien, c'est un produit divin par rapport à ses propriétés, par rapport à ce qu'il peut nous apporter. Ici, c'est une couche coureuse qui au fur et à mesure va donner des fleurs, et ces fleurs vont être transformées en des fruits assez renflés dont la taille va changer, va varier selon l'espèce. Ici nous n'avons pas encore de fleurs, mais nous avons des prémices, disons-le. Voilà, donc là on voit que le giraumon hein, cohabite avec la patate douce soyeusement. Voilà, ça c'est notre groseille pays, donc on l'appelle la bissap. Alors, c'est la même famille que l'hibiscus, donc c'est la famille des malvacées. Ici, ce qu'on va consommer, c'est la capsule qui va être émise d'ici 2 mois, d'accord? Et qu'on va transformer en jus, en sirop, en confiture, en tout ce que vous voulez, en marmelade. Tout le monde connaît le manioc, c'est un manioc. Le manioc. Là, c'est le manioc doux, donc on peut consommer les tubercules sans problème. Donc, il est originaire, non pas d'Afrique, mais plutôt d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, d'accord, où on fait une grande consommation. Juste à côté, en bas, vous avez de la patate douce, donc les convolvulacées, le genre Ipomea. Alors ici, c'est le Ipomea batata, et c'est le féculent de base du jardin créole. La mare est utilisée par nous-mêmes, mais aussi par les voisins de cet environnement. Associé au jardin créole et à la savane, qui sert dans un premier temps à arroser les plantes, mais aussi à permettre au bœuf de boire. Avant que les pluies de septembre n'arrivent, eh bien, le jardin créole est arrosé. Le propriétaire du jardin créole vient régulièrement récupérer de l'eau pour pouvoir faire démarrer ses plantes, que ce soit les plantes de manioc, etc., avec de l'eau de la mare. Vous avez également un petit verger qui va compléter le dessert qu'on a vu, c'est-à-dire la canne. Ici, vous avez ce qu'on appelle la prune de Chine, qui va donner des fruits, des petits fruits jaunes, des petites baies jaunes, qui vont être utilisés comme dessert. La pomme cannelle, ce fameux fruit que nous dégustons, très juteux, avec une chair onctueuse. Annona squamosa. Alors, c'est un petit arbuste. Ces fruits-là, c'est ce qu'on appelle la pomme cannelle. Elle se compose de plusieurs capelle, on pourrait dire. À l'intérieur, vous aurez une pulpe blanche avec des petites graines noires, un peu à la manière de sa voisine, disons non, sa cousine, la coursole, qui a également la pulpe blanche et des petites graines noires. Dans le jardin créole, il y a également quelques bananiers qui sont mis de ci, de là, pas trop rapprochés, de manière à ne pas faire de l'ombre aux autres variétés. Ici, nous avons le genre Musa, mais ça, ce qu'on appelle la banane pomme. On peut avoir également ce qu'on appelle la banane jaune, la banane cône et la banane poteau. Les fruits sont récoltés soit verts,
soit à totale maturité, donc pour soit être cuit, soit servir de banane dessert. Dans le jardin créole de base, eh bien, chaque variété se développe sans pour autant gêner l'autre. C'est l'arbre à pain qui apporte le fruit à pain. Un jeune fruit à pain. Les gens consomment les fruits de l'arbre à pain, hein, qui est originaire du Pacifique. Mais il faut savoir que c'est la base de l'alimentation des peuples du Pacifique. Ils le stockent même lorsqu'il est à complète maturité. Il est stocké sous forme de pâte qui est réutilisée. Et donc c'est un intemporel et on en trouve un peu partout. Donc lorsque le jardin créole ne peut plus fournir, eh bien l'arbre à pain prend le relais aussi naturellement que cela. Très longtemps, le poirier était quasiment un arbre magique. On l'utilisait pour la construction des maisons. Le poirier créole, qu'on appelle Tabebuya hétérophylla, hein, qui peut atteindre 25 à 30 mètres de haut, dont le bois était utilisé en menuiserie, et qui est un arbre quand même assez imposant. Un arbre bien adapté au sol rocheux, rocailleux, et qui persiste dans la zone des grands fonds. C'est un corossolier. Il porte des corossols. La fleur du corossol. Un autre arbre fruitier qui sert de dessert également, l'abricot veillé. C'est un arbre qui peut atteindre plus de 25 mètres de hauteur. Il est énorme et toutes les parties de l'arbre peuvent être utilisées. Depuis le fruit, la pulpe qui est consommée, l'écorce, les feuilles, tout est soit alimentaire ou cosmétique ou médicinal. C'est l'orange gospo. Hein? Ou bigaradier en français. Il y a une variété, celle-ci, plus particulièrement, qui est sucrée, avec laquelle on va faire du jus, on va faire de la marmelade et d'autres transformations qu'on peut faire avec les agrumes. Le petit citron, très utilisé pour le nettoyage du poisson et tous les fruits de mer. Incontournable pour les mamans. C'est le même que le médaille blanche. Le citron pays ou citron créole, genre citrus, qui a un certain nombre de spécificités. Ce sont des fruits qui sont de petite taille, mais qui sont très juteux. Et un parfum de citron qui est exceptionnel. C'est un goyavier. N'empêche que la saveur elle est excellente et qu'on pourrait en faire pas mal de choses. Et on a commencé à faire des études dessus pour en faire du jus, de la compote et d'autres mets aussi délicieux que lorsqu'on le mange naturellement. C'est le mangui Fera Indica, vous l'aurez reconnu, le mangui pays. Alors, il y a plusieurs variétés selon les zones, mais il faut estimer qu'en Guadeloupe, nous avons plus de 100 variétés de mangui avec des textures différentes, des formes différentes et avec des transformations différentes hein, à faire avec.
Le jardin créole, il y a un peu de tout. Et bien là, aujourd'hui, nous avons aussi cette vache. Elle s'appelle Marina. Elle est autour du jardin, donc ça permet de manger les mauvaises herbes. Donc Marina a des petits. J'aurais un petit jusque là. Et il y a une Judith non loin de toi à côté. C'est un hybride du bovin africain et du bovin métropolitain, c'est-à-dire taurus. Et c'est ça qui nous a donné ça. Et c'est un hybride bien adapté au terrain, bien adapté au climat. Allô Maria, comment vas-tu? Je suis passé te voir. Allez. Il y a du monde qui s'occupe de moi. La chose qu'il faudrait faire aujourd'hui, ce serait de ne pas perdre la souche de créole. Parce que la perdre, ce serait perdre les caractéristiques. Et ce serait aussi nous mettre en danger. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle est unique en son genre. On ne peut pas la retrouver dans quelques contrées du monde. Elle est unique. C'est Bettina. Bettina. Au niveau de Cuba, la recherche est très avancée en matière d'élevage bovin. Même au niveau des rations, ils ont conçu des rations qui sont spécifiques à la zone antillaise, hein, que ce soit à partir de résidus de canne bagasse, mélasse, etc. Ce sont des rations équilibrées qui, en période, se sont données aux animaux de manière à ce qu'ils perdent le moins de poids. Et au niveau aussi de la sélection des animaux aussi, le travail est déjà beaucoup plus poussé qu'au niveau de la Guadeloupe. Au niveau également de la partie, tout ce qui est médicamenteuse aussi, ils ont remplacé tout ceci par la pharmacopée locale, c'est-à-dire beaucoup plus d'éléments à partir de plantes, beaucoup plus de médicaments à partir de plantes pour pouvoir lutter contre un certain nombre de parasites qui sont endémiques de la zone. Mais c'est Perino. Il s'appelle Perino. C'est une enfant de Marina. Mais c'est un petit taureau. Je prends énormément de plaisir à les voir, à les toucher, à leur parler, je dirais à leur voir vivre. Je dirais on tisse entre nous des relations d'amitié. Et tu vois, il n'est pas très content parce qu'il y a tout le monde, mais normalement, je peux la caresser. Hein? Et elle reste, elle attend ses petites caresses, elle me parle quand j'arrive au jardin. Je dirais c'est une vie entre la terre et l'homme. C'est une vie, la bête, la terre, l'homme, c'est fabuleux. Et nous avons une vue magnifique sur ce qu'on appelle un fond, un couloir entre deux versants, deux mornes boisées, où nous avons toutes sortes de nuances de vert. Et c'est ici qu'on peut véritablement voir la beauté de cette zone.